Bonjour tout le monde! Salut à tous! Bienvenue les amis sur la chaîne Aérole de Trotmanie pour une nouvelle vidéo. Ça fait trop plaisir de vous revoir. Ah oui, c'est vrai, ça faisait longtemps. Alors c'est une preview, c'est pas un test, c'est une preview. Une preview où on a eu des codes pour tester un jeu coopératif, purement coopératif en duo. Voilà, Opération Tango. Tu fais bien de le dire parce que le jeu n'est pas terminé, c'est une bêta. Donc on va faire notre avis sur la bêta dans l'état. On verra après, ça va peut-être changer. Voilà, c'est un jeu qui sera proposé le 1er juin au prix de 19,99€. Donc il y aura 6 chapitres. Donc c'est un jeu qui est de mission. On fait des missions d'infiltration dans des entreprises pour pirater, etc. Des ordinateurs. Ouais. Et on a testé les deux premiers chapitres. Donc c'est de la coop en ligne, ça se joue à deux. Et le gameplay est asymétrique, ça veut dire que les deux joueurs n'ont absolument pas les mêmes missions à effectuer en même temps. C'est ça. Alors, il est en français, est en français, faut le dire quand même. Il faut le dire. Créer une partie, et ça c'est facile, on transmet un petit code à notre coopérateur et c'est parti, c'est parti. Et on a la sélection deux personnages, donc Angel et Alistair, qui ont un gameplay totalement différent. Totalement différent, puisque tu as un agent de terrain qui est Angel, et un hacker qui est Alistair, qui travaillera plutôt sur l'informatique et le hacking. C'est ça, exactement. Et on s'y prend assez bien dans le jeu. C'est vrai. On s'y prend assez bien. En fait, moi, on a essayé les deux, et j'ai un peu préféré le hacking, puisque c'est un peu original, je trouve. Ça change un peu. Mais moi je préférais le terrain parce que tu as plus de mobilité. Il faut quand même préciser qu'il n'y a que ces deux personnages, puisqu'on pourrait avoir plus de personnages, mais non, il n'y a que Angel et... ces deux-là. Ouais. Alors deux chapitres, ici deux vous verrez chapitres un peu testés, un ouais. mix des deux chapitres, et c'est parti. Voilà, on voit déjà au niveau de la vidéo, on voit déjà un petit peu le style, donc efficace, sans être trop... Voilà, trop chichi. Ça prend pas des heures, ça parle pas des heures pour ceux qui aiment bien. Ah oui, très rapide le scénario. On démarre, voilà, il faut faire ça, infiltrer cette agence. En fait, c'est pour mettre fin à un complot international. Hein, c'est le scénario qui fait un Évidemment, peu on est des sauveurs. Voilà, deux gameplays différents. Donc ici, vous voyez Alistair en haut à gauche et Angel en bas à droite. Donc Trotmini a commencé dans un ascenseur bloqué. Ouais. Et moi, j'avais dû me balader dans la matrice pour déverrouiller, pour monter, faire voyager cet ascenseur pour lui ouvrir les portes. Et donc oui. On commence dans le jus comme ça. Direct, bam. Direct. Alors moi je voyais pas du tout les images hein, puisque j'étais en noir et blanc avec mes caméras et c'était assez perturbant. Alors il y a très peu d'informations, on nous dirige pas, il n'y a pas de didacticiel particulier. Par contre je pense qu'il y a des astuces qu'on peut réclamer, il faut que les deux réclament et on peut débloquer une situation. Des indices, voilà, des indices. Un graphisme assez polygonal, hein, je dirais, hein, assez simpliste. Je pense pas qu'il y aura des mondes extérieurs. Non. Voilà. Il ne brille pas par le graphisme. Non. C'est pas sur quoi ils ont mis toutes leurs chances, mais bon, c'est surtout sur ça, sur les mini-jeux coopératifs, totalement coopératifs. Ouais, je dirais même c'est de la collaboration parce que on doit s'aider l'un l'autre, là la balle, les deux la contrôlent et voilà, c'était assez sympathique à faire. Oui, et... assez stressant aussi, hein, assez stressant puisqu'il y a des épreuves de vitesse hein, où il faut vraiment aller assez vite sinon notre coopérateur se fait, collaborateur se fait griller. Griller par les lasers. Laseriser. Laseriser. Et là, la tension monte. Mais je t'avais dit Ah mais c'est ça ces jeux-là, hein, c'est comme ça. Ici aussi on doit dévoiler des plateformes pour le faire avancer, mais alors on voit pas les pièges, nous, hein, on ne voit pas l'écran de l'autre. Hein, donc on voit notre petite carte d'accès au serveur ici en bas et on doit essayer de lui faire un chemin. Donc il faut beaucoup dialoguer, communiquer, expliquer ce qu'on voit dans l'environnement. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc vraiment, ici, on voyait les... Voilà, moi j'essaie de l'observer dans les caméras de surveillance, mais comme il avance vite, c'est pas évident, c'est pas il évident. Il m'observe, je le cherche. J'essaie de le... il me poursuit. Par contre, le personnage d'Alistair, je trouve qu'il est... Voilà, moi je me suis vraiment cru à un vrai hacker. Hein. Ouais. J'ai pu lui transférer des fausses idées d'identifiant d'utilisateurs de l'entreprise. Et tu pouvais choisir sur plusieurs personnages. C'est ça, ouais, je pouvais choisir. Il y avait le choix. C'est ça.
regarder l'heure, lui faire un rendez-vous fictif pour qu'il puisse rentrer dans une porte à telle heure. Ouais, enfin, il y a quand même un peu de réflexion, mais ça reste quand même assez simple. Hein. Oui, il n'y a pas 1000 chemins pour résoudre une énigme, il y en a souvent qu'un, et à force, on tombe systématiquement dessus. Donc, mais c'est vrai que la partie hacking, l'interface est vraiment très très bien faite, elle donne envie d'y évoluer, et voilà, vraiment très très plaisante. Très plaisant, oui, franchement, oui. Après on se perd un peu dans le hacking à un moment donné, mais beaucoup de... voilà, ici voilà des drones, nous on voit des drones passer, lui il doit traverser les pièces, voilà, je vais assez rapidement, ici on a deux plateformes différentes où on doit faire bouger des... pour débloquer aussi une porte ou pirater un ordinateur, donc on doit le faire ensemble, sinon ça fonctionne pas. Chacun voilà, utilise, c'est tous des petits jeux comme ça. Et alors ça, moi je, enfin, Alistair se trimballe dans la matrice, hein, dans la matrice de l'ordinateur. Donc là c'était un peu l'inverse, moi j'avais plutôt un monde en 3D et lui avait un ordinateur dans lequel il devait me faire passer les bonnes portes, etc. C'est du labyrinthe et de la plateforme. C'est ça. Et là, ça me rappelle quand même un jeu qu'on dira à la fin. Les figures, Les figurines, à essayer d'écrire à son... Ça, c'est aussi, hein, c'est toute une aventure. Mais oui, oui, d'écrire les... Mais je t'avais dit un rond dessus. Oui, un rond dessus, un rond bas dans le triangle. Ben voilà, et c'est ça qui fait toute cette... Il faut dire que les mini-jeux sont très diversifiés, les énigmes aussi. On n'est pas tombé deux fois sur le même procédé. Non, c'est vrai. Enfin, on a vu que deux niveaux, peut-être que ça va se répéter par la suite, mais là, c'est assez accessible, voilà. Oui, je trouve aussi, là aussi, on pouvait prendre manuel un canon pour pouvoir tirer sur des trucs électriques. Des et l'autre les voyait, donc dirigeait. Le diriger, etc. Oui, non, c'est assez, ils ont trouvé des belles petites astuces. Oui. Une belle mécanique de jeu. Et c'est très intuitif, donc voilà, c'est peut-être l'approche, c'est que c'est peut-être trop facile pour nous, les super gamers, mais on sinon, a l'habitude. On a peut-être l'habitude. Après, We Were Here, on a l'habitude. Voilà, exactement. Désolé, les gars. Il ressemble quand même fort à We Were Here. Et mais, tous ces petits symboles à dire à notre collaborateur, bah, ça, voilà, c'est du déjà vu, ça, hein, ça c'est voilà, sûr. Voilà. Mais peut-être une bonne surprise à découvrir plus tard. Malheureusement, moi je trouve que le prix... Pour 6 chapitres, donc on le dit, on a fait... ça, en une heure, on a complété les deux chapitres. Donc voilà, c'est assez rapide. Donc oui, il faut vraiment qu'ils misent un peu sur la difficulté, sur peut-être plus d'énigmes. Mais sinon, ça reste de bonnes idées. De bonnes idées en tout cas. De bonnes idées collaboratives. Voilà, voilà. Pour un jeu coopératif. En tout cas, voilà, c'est une preview qui nous a bien... Oui. Bien voilà, qui nous a plu. On a eu plaisir. On peut dire, c'était plaisir à jouer. Voilà, on verra pour la suite. On vous alors, dit... un jeu développé par Clever Play, quand même, on va quand même le citer. Oui, c'est vrai. Et voilà, qui sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Microsoft Windows, etc. Allez, partout. À plus. Allez-y. Allez, à plus tout le monde. Ciao.